Nuit de feu pour une rencontre avec Dieu. Que notre lecteur soit mystique ou anarchiste, philosophe ou nihiliste, scientifique ou humaniste, chrétien ou pas, quelle que soit sa sensibilité, il ne peut qu'être touché au tréfonds de son âme par cette bouteille à la mer lancée par le provocant Pascal au-delà des frontières et de la science mathématique qu'il glorifiait divinement auprès de ses contemporains médusés par son génie. Ce geste ultime, au crépuscule de sa trop courte vie, héroïque, incompréhensible car éminemment poétique, surréaliste car surréel, comme un témoignage solitaire et fervent de la puissance de son esprit, confronté chaque jour un peu plus aux doctrinaires fanatiques et sectaires de tout poil, qu'il soit sceptique, amoraliste, anticléricaux, futur voltairien, avide de la libidociendi, sans oublier les jésuites qu'il poursuivit avec dérision ou tout simplement passablement jaloux, à l'image du non moins magistral Descartes, nous atteint au cœur, et nous enchante encore aujourd'hui, au-delà de toute manifestation, par son expression même. Alors, laissons de côté un instant les étiquettes nécessaires pour simplement se laisser bercer par le message d'amour de Pascal, car la mystique du désir a un prix, celle de la survivance de l'esprit devant la décadence spirituelle de notre civilisation totalement assujettie, en ce début du XXIe siècle, à la finance internationale, au nouvel ordre mondial, à une morale défaillante, à une instabilité sociale et à une violence politique sans nom. Jamais un texte métaphysique fait pour être non lu ne nous a semblé aussi digne d'actualité. Jamais un petit rien que l'on se plaît imaginer plié, cousu au cœur, dans la doublure intime et cachée du pourpoint de Blaise Pascal, ne nous est apparu aussi puissant que cette simple feuille de papier jauni au format modeste, griffonnée simplement au recto, à la hâte, à la plume d'oiseau, au cœur de la nuit, au cœur de sa nuit mystique, comme un Saint-Jean de la Croix déboussolé, découvrant tout à coup, au détour d'un renfoncement de sa chambre, un buisson ardent, enflammé, pénétrant paisiblement, dans sa demeure lambrissée tout accaparé habituellement à ce moment-là de la journée, à la prière propice, à l'endormissement des maux de tête et aux réflexions prospectives de la mathématique souveraine et chérie. Oui mais voilà, Pascal reçoit cette nuit-là autre chose que la simple vue de l'esprit, bien plus, et comment dire, sans rabaisser la chose. La présence ultime et souveraine. Pascal entend et voit, perçoit par tous ses sens, l'ineffable, L'inquantifiable, Aoragné. la force forte de toute force jamais totalement conçue par les prophètes, mais ce soir-là perçue sensiblement, telle une croix enflammée au senteur de rose, qui apporte enfin la certitude, la joie, la paix. Un cœur flamboyant, un mandala de lumière pure et sacrée pénètre sans frontières de tout cœur. Cette nuit-là, entièrement la chair enamourée de l'homme incarné. Tout le corps, l'âme et l'esprit de Blaise sont prêts pour une rencontre de feu qui remet, pour le savant français attaché à l'ordonnancement mathématique, bien des choses en question jusqu'à l'ultime de sa quête. Mais que voit vraiment cette nuit de feu le savant ébloui Il est difficile de l'imaginer charnellement sans perdre le fil de la raison. Une piste pourtant serait nécessaire à convoquer ici, celle des grands mystiques. Mais les témoignages concrets de ceci sont bien rares, qui signifient dans les détails l'apparition. Rappelons néanmoins celui de la religieuse franciscaine Angela de Fulginio, 1248-1309, Fulginatis en latin, Angèle du village de Foligno en Ombrie, qui conjugue en son seul nom la divinité de l'ange et sa qualité innée. La sainte nous rend compte de sa vision de Dieu en ces termes, je regardais celui qui parlait pour le voir des yeux de l'esprit et des yeux du corps. Je le vis. Vous me demandez ce que je vis C'était quelque chose d'absolument vrai, c'était plein de majesté, c'était immense. Mais qu'était-ce Je n'en sais rien. C'était peut-être le souverain bien. Pour préciser un peu cette notion paradoxale de vision de Dieu, Signalons que dans les scolies et les commentaires de la Bible, les théologiens depuis les premiers siècles s'accordent à dire, reprenant ainsi saint Jean, que nul n'a vu la face de Dieu, mais qu'il peut exister seulement des visions de Dieu, bien souvent d'ailleurs lorsque l'ange est intercesseur. De nombreux exemples émaillent la Bible concernant une rencontre avec Dieu. De cette rencontre et de ce qui en ressort, les témoignages sont complexes. Et doivent être lus avec les yeux du cœur. On retrouve ainsi cette parole de l'Éternel dans l'Exode, chapitre 33, verset 20. Tu ne peux pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Mais aussi, et pour faire écho autrement, Heureux ceux qui ont le cœur pur, puisqu'ils verront Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Et sans doute, un dernier fragment à ne pas omettre, car il pose le questionnement essentiel de la filiation céleste, et sans aucun doute du ternaire divin, si complexe à appréhender, en ces termes incontournables, rapportés par l'apôtre que Jésus aimait. Jésus, s'adressant à Philippe, dit, Je suis avec vous depuis si longtemps, et pourtant, toi, Philippe, tu n'es pas parvenu à me connaître. Qui m'a vu, a vu le Père aussi. Comment se fait-il que tu dises, Montre-nous le Père. Jean chapitre 14, verset 9. Dès lors, que peut-il en être de Pascal en cette nuit de feu Quelle vision de Dieu a-t-il vraiment eue Et que peut-on en déterminer Outre ce billet plié et découvert, par hasard, dont nous allons entretenir notre lecteur dans certains de ses aspects formels et spirituels, Retournons un instant relire les pensées de Blaise pour voir si le philosophe ne nous aurait pas mis sur la voie avec une de ses citations et retrouvons celle-ci pour l'heure. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Dieu est sensible au cœur et non à la raison. Comme en toute chose capitale, un événement princeps sert inévitablement de catalyseur puissant à la nuit de feu vécue par le jeune Blaise. Il n'a alors seulement que 31 ans et il décédera huit ans plus tard. Mais tout chez Pascal, depuis sa plus tendre enfance, est anticipé par la précocité. Est-ce le fameux épisode du Pont de Neuilly, qui fut le déclencheur propice d'une telle rencontre? Nous le pensons assurément, même si certains exégètes considèrent l'épisode que nous allons narrer comme incertain, sous prétexte qu'il ne fut pas commenté dans l'immédiat apparent par les proches ou la famille. Or, comme nous allons le voir dans un instant, et pour apporter de l'eau à notre moulin, la famille de Blaise ne connaissait pas non plus l'existence du mémorial. Et nous savons par ailleurs que les dessins secrets du divin agissent, eux, selon une forme logique d'emboîtement des plans sur la ligne du temps et selon des déterminismes inconnus de la plupart des êtres. Nous sommes là, bien sûr, dans une spéculation métaphysique que nos lecteurs apprécieront, mais pour notre part, nous appuierons avec insistance sur le bien fondé de cette histoire initiatrice d'une forte transformation de la pensée de Pascal. En ce qui concerne cet incroyable incident controversé du pont de Neuilly, auquel nous attachons une dimension à la fois historique et symbolique indéniable, celui-ci fut rapporté en son temps, dans les détails, par un ami de Blaise Pascal, le curé de Chambourcy, Arnoul de Saint-Victor. Pour la date exacte, il est difficile de la repérer avec exactitude, mais l'érudit universitaire Gustave Michaud, 1870-1946, considère selon ses propres recherches que cet événement est survenu dans la nuit du 8 au 9 novembre 1654, soit exactement 15 jours avant la fameuse nuit de feu. Dans un document particulièrement éclairant pour nous, intitulé Pascal Neuilly La Vision preuve de la réalité de ces deux faits. L'auteur, le médecin philosophe Louis-Francisque Lélu, 1804-1877, nous rend compte en ces termes de l'événement, citant un texte du recueil d'Utrecht, et confirme par la suite l'importance du témoignage. M. Arnould de Saint-Victor, curé de Chambourcy, dit qu'il a appris de M. le prieur Barillon, ami de madame Perrier, que Monsieur Pascal, quelques années avant sa mort, étant allé, selon sa coutume, un jour de fête à la promenade au pont de Neuilly, avec quelques-uns de ses amis, dans un carrosse à quatre ou six chevaux, les deux chevaux de volée prirent le frein aux dents. À l'endroit du pont, il n'y avait point de garde-fous. Et s'étant précipité dans l'eau, les laisses qui les attachaient au train de derrière se rompirent. En sorte que le carrosse demeura sur le bord du précipice. Ce qui fit prendre à M. Pascal la résolution de rompre ses promenades. Ce témoignage, le seul qu'on ait découvert jusqu'à présent dans les manuscrits relatifs à Pascal, a plus de valeur qu'on ne serait tenté de lui en accorder au premier abord. Les deux personnages dont il est question, le curé Arnoul et le prieur de Barillon, étaient deux amis particuliers de Pascal et sa famille. Fin de citation. Et l'élu de poursuivre un peu plus loin dans son étude, il est du reste bien évident que cet accident de Neuilly, mentionné si brièvement et en quelque sorte par hasard dans les manuscrits relatifs à Pascal, était un fait connu de sa famille, de ses amis, et ayant cours dans tout le parti janséniste comme un événement incontestable où se montrait le doigt de Dieu. Il faut imaginer ici un blesse-pascal frôlant la mort ne sachant pas nager, suspendu en pleine nuit durant plusieurs minutes qui semblent une éternité, au-dessus du de vide, au-dessus de la scène, sortir de son carrosse blême, affolé, la lune à l'envers adossée en contrebas se reflétant dans le fleuve glacé en ce mois de novembre, des chevaux, mais pas tous, encore plus ou moins bien attachés au carrosse par des rênes endommagées encore prêtes à rompre, des chevaux hennissants et hagards, jetant des coups de sabot alentour, tout en essayant de ne pas périr, de ne pas sombrer dans les tumultes incessants du fleuve noir. Pascal sort alors terrifié, mais indemne de son carrosse, tremblant de tous ses membres, totalement apeuré d'abord, sur l'instant commotionné, puis extrêmement affecté ensuite, déboussolé, remerciant de tout son cœur et son âme réunis, le divin, de l'avoir tiré d'un si mauvais pas. Les prières ont parfois du bon. Il faut envisager ce qu'a dû être pour Pascal ce moment étonnant, lui, le savant travaillant sur le vide, penché sur son destin, tenu par un fil, au-dessus d'un vide funeste qu'il explorait physiquement et théoriquement au quotidien. Il faut concevoir concrètement de la sorte ce que fut cette incroyable épreuve qui métamorphosa entièrement pour les dernières années de sa vie, le philosophe français. Il semble évident que ce point de rupture manifeste opéra chez le jeune Pascal. N'oublions pas qu'il n'a alors seulement que 31 ans. Une transformation irrémédiable, une forme de méthanoïa, pour ainsi dire, qui va révolutionner les huit dernières années qui lui restent à vivre. Sans nul doute, sans l'épisode du pont de Neuilly, point de nuit de feu. Mais pour qu'un foyer s'embrase, il faut bien frapper deux silex entre eux. Pour le chercheur qui étudie de près cet événement avisé visée purificatoire, il n'est pas douteux que l'incident du pont de Neuilly est bien l'étincelle favorable qui va embraser le ciel de Pascal pour le restant de ses jours. À bien des égards, le mémorial de Blaise Pascal est un écrit à part hors norme. Miraculeux par sa découverte, singulier par sa conception extraordinaire dans son écriture transcendantal par l'émoi qu'il provoque pour notre part nous le mettons dans notre panthéon des écrits mystiques avec la nuée sur le sanctuaire de karl von Eckarstosen, l'imitation de jésus-christ de thomas à campis et quelques traits de la vie intérieure d'ivan vladimirovitch lopukhin quant à la flamme salvatrice qui s'en dégage et aux fumées d'encens qui embaument sa présence. Ce manuscrit de Pascal, véritable credo de quelques lignes seulement, nous amène à regarder autrement la parole du mathématicien, à le lire autrement, à le dire autrement, à le ressentir autrement, en douceur, en silence, avec la pesanteur et la grâce particulière des jansénistes, que nous esquisserait volontiers une Simone Veil bienveillante penché sur notre épaule c'est ce à quoi nous invitons maintenant notre lecteur qui inclinera à goûter ce mets précieux cet agneau pascal à la lueur de sa foi pour une mystique du désir que nous prenons une fois de plus et qui nous amènera sans cesse à la relecture de ce texte si évocateur afin de mieux concevoir notre travail original de réflexion typographique qui ouvre notre essai sur la nuit de feu de Blaise pascal étude principalement liée à une lecture particulière nommée depuis le 3e siècle par la tradition monastique occidentale Lectio Divina. Et, à titre de comparaison, afin de mémoriser différemment ce texte dans sa version académique, nous redonnons ici dans notre édition à la fois le facsimilé du manuscrit original, ainsi que sa disposition typographique dans sa composition la plus récente, avec l'orthographe présentée dans l'édition Paru chez Flammarion à Paris en 2015. Ce document, rapidement intitulé par les proches de Blaise Pascal de Mémorial, fut découvert au décès du grand écrivain, par un domestique de la maisonnée, dans la doublure du pourpoint de Pascal, quelques jours seulement après la mort du philosophe survenu à son domicile le 19 août 1662 à Paris, à 1h du matin. Les derniers mots du mystique au moment de son départ de la vie terrestre furent "Puisse Dieu ne jamais m'abandonner." À l'époque, le pourpoint était une sorte de veste plus ou moins bouffante, un vêtement d'homme couvrant le torse jusqu'au-dessous de la ceinture. Nous ne savons pas à quel endroit précis de l'habit fut caché à la vue de tous, y compris de la sienne, ce document écrit par Pascal est venu d'un autre monde. Nul parmi ses proches n'en connaissait l'existence. Malgré la proximité avérée que Pascal entretenait avec certains membres de sa famille, le fait est notable. Ce document fut écrit quelques instants plus tard, suivant cette nuit de feu, sur un petit papier aux dimensions de 21 cm5 par 33 cm6, par le mathématicien proche du mouvement janséniste, le 23 novembre 1654. Au moment de sa rencontre avec le divin, à l'achèvement de cette nuit mystique, et pour conserver une trace immédiate de cette grâce inextinguible qu'il vécut ce jour-là, seul, dans l'intimité de son être. Le document singulier est décrit à la BNF, au département des manuscrits occidentaux, mémorial original, côté D. Ce papier fut ensuite mis au propre et recopié avec une calligraphie soignée par Blaise Pascal sur un parchemin. Sans doute dans les quelques jours qui suivirent sa première transcription, ce document sur parchemin, aujourd'hui perdu, offre de très légères modifications par rapport à l'original. Nous connaissons celle-ci du fait que son neveu, le chanoine Louis Perrier, en opéra une copie prétendue exacte avant la perte du dit document. La découverte du domestique de Pascal concernait donc en réalité bien deux manuscrits distincts, le papier et le parchemin, parfois confondus en un seul document selon les exégètes. Ce fait est parfaitement avéré et nous est rapporté par le père Pierre Guerrier dans une note en date du 1er février 1732. Cet ami proche de la famille de Pascal nous fait une description fidèle de cette découverte et nous signale en outre que, tous convinrent qu'on ne pouvait pas douter que ce parchemin écrit avec tant de soin et avec des caractères si remarquables ne fût une espèce de mémorial, qu'il gardait très soigneusement pour conserver le souvenir d'une chose qu'il voulait avoir toujours présente à ses yeux et à son esprit, puisque depuis huit ans il prenait soin de le coudre et de le découdre à mesure qu'il changeait d'habit. Il est intéressant de noter ici que Pascal conserva par deux vers lui les deux documents cités pliés ensemble, le premier sur papier, parfois qualifié sottement par certains exégètes de brouillon, et le second sur parchemin, tous les deux dans la doublure de son pourpoint. Mais pourquoi conserver ainsi, secrètement, deux manuscrits quasi identiques dans le texte Tout simplement parce que le second tenait compte de la forme avant tout, mais que le premier était encore entièrement emprunt de la flamme divine qui avait soufflé ce jour-là lors de cette insoutenable nuit de feu du 23 novembre 1654.